Pose mon téléphone, je vais vous montrer quelque chose. Bonjour, nous sommes lundi 8 janvier. J'ai oublié hier et je m'en excuse parce que quand j'ai fait ma recette de brocoli, j'avais dit d'envoyer une photo au résultat final, mais j'ai complètement oublié. En fait, quand je suis un menteur, j'ai pas mangé. J'ai une copine, j'étais boire un coup chez elle samedi, et elle avait fait à manger. Et comme j'avais pas faim, elle m'a donné à manger et à emporter, et j'ai mangé hier, par respect, parce que je jette pas à la poubelle. Voilà. Maintenant, on va revenir à notre brocoli. Vite réglé. Il faut faire comme j'ai fait hier. Je l'ai mis dans le frigidaire. Frigidaire, on peut le dire, maintenant c'est dans le dictionnaire. Avant, on disait toujours, on dit pas frigidaire, on dit réfrigérateur. Comme c'était trop dur pour les enfants, frigidaire, c'est toléré, la marque n'existe plus, on peut dire frigidaire. C'est dans le dictionnaire. Par contre, wesh, ce sera jamais dans le dictionnaire. Bon, je vous explique. En le laissant 12 heures, je le ramène au frigidaire. J'arrive. Ça pèse 15 tonnes. Voilà, je suis là. Alors voilà le résultat final. Je vous montre, en sachant qu'il était dans le frigidaire 12 heures. Attendez, je vous montre. Là, il est. Mais, attendez. Pourquoi je fais cette vidéo? Vous voyez, voilà. Parce que maintenant, comme il était dans le frigidaire, il est facile à couper. Hier, maintenant, si je l'aurais coupé, l'aurais lavé. Moi, coupé hier, par exemple, tout était plat. Tiens, tu veux une part? Oui. Alors, vous prenez un petit couteau. Vous prenez un couteau. Pas du tout des couteaux de cuisinier, moi. Pas un couteau. Vous prenez un petit couteau. Et là, maintenant, je vais vous montrer. Tu coupes ça en deux avec ton couteau. Et après, tu fais des parts. Comme c'est un grand plat, je vais faire 6 parts. Voilà. Et voilà. Et maintenant, à part égale, tu prends un ustensile. Putain, merde, maintenant, faut que je le nettoie encore celui-là et le remettre dans son emballage. Putain, qu'est-ce que vous me faites pas faire, hein? Bon. Tu poses ton couteau prêt à les laver, que tu laves une autre fois. Là, maintenant, je vous le montre pas parce que je vous dis honnêtement. Je sais pas où j'ai foutu mon... Elle est là-bas, elle est au lavage. Là, maintenant, vous pouvez prendre la part carrée comme vous l'avez coupée et la mettre au micro-ondes. 2 minutes de chaque côté. Je précise bien de chaque côté. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Je reviens parce que le micro-ondes, là-bas, il commence à me gonfler. Voilà. 2 minutes de chaque côté. Parce qu'il sort du frigidaire. Pourquoi 2 minutes de chaque côté? C'est pas dire de le tourner. Parce que vous mettez 2 minutes, il va tourner. Il va s'arrêter. Vous remettez 2 minutes et il va tourner. Mais dans l'autre sens.
Et là, ça va chauffer. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Le principe d'un micro-ondes. Oh, vous pouvez essayer, hein. Allez, allez maintenant. Maintenant, dès ce soir, allez voir votre micro-ondes, comment il fonctionne. Vous ne connaissez rien, vous. Moi, je connais tout. Intéresse à tout. Le micro-ondes. Vous n'avez jamais remarqué qu'il tourne dans un sens, mais dans l'autre. Jamais. Tu mets... Vas-y. Tu le mets 20 secondes. Tu le laisses tourner. Ping. Tu remets 20 secondes. Il va repartir dans l'autre sens. C'est le principe du micro-ondes. Faut tout vous expliquer. Voilà, vous avez vu. Bon appétit. Je vous aime. Et je vous dis pour la prochaine recette dimanche. Ça va être des endives aux jambons. Et ceux qui en veulent, qui me le disent tout de suite, parce que le plat que je ferai, je l'offre, je le donne. Parce que j'aime pas, mais à ce qui paraît, j'ai fait les meilleurs endives jambons du monde. Alors. Parce que j'aime bien les faire, mais j'aime pas trop manger ça. Allez, bonne soirée. Je vous souhaite pas plus. Je coupe parce que...